Les grands rendez-vous du jour, bienvenue dans l'Expresso du 30 novembre 2016. Pétrole, l'OPEP organise une réunion ministérielle ce vendredi à Vienne pour négocier encore et toujours les modalités de l'accord de réduction de la production conclu en septembre afin d'enrayer la chute des cours sur les marchés. Parmi les sujets devant être abordés, les productions de l'Iran et de l'Irak selon l'AFP. Le salon de l'immobilier d'entreprise s'ouvre aujourd'hui au Palais des Congrès de Paris et ce jusqu'au 2 décembre. Selon les organisateurs, l'édition 2015 avait rassemblé plus de 26 000 visiteurs et 420 exposants. En ce qui concerne les indicateurs, on doit connaître du côté de l'INSEE dans la matinée l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre. Outre-Rhin, on attend en fin de matinée le taux de chômage en Allemagne pour le mois d'octobre. L'emploi sera également au cœur de l'actualité économique américaine avec les chiffres ADP sur l'emploi privé aux USA en novembre.